Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler 3D encore un peu et même beaucoup puisque je vais faire un petit peu de forcing sur l'impression 3D, le wargame, la peinture, tout ça, tout ça. On va parler de quoi aujourd'hui? Ben, je me suis lancé un petit défi. Figurez-vous que plus on avance dans ce hobby, plus on franchit d'étapes, on franchit des obstacles, on progresse. Et on a envie de se frotter à des trucs de plus en plus élaborés, de plus en plus compliqués, de plus en plus chers à acheter. Parce que je ne vous cache pas qu'un des grands attraits de l'impression 3D, c'est quand même de réduire les coûts de ce hobby qui est vraiment hors de prix. Je ne sais pas si vous avez regardé récemment le prix auquel Games Workshop vend ses figurines, mais ça devient vraiment complètement délirant. À titre d'exemple, si vous prenez ça, que vous voyez, alors on le voit sur... Ouais, on le voit. 199 $ pour avoir les figurines que vous avez là devant vous. On les compte ensemble hein, si vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 figurines, dont une grosse et 3 moyennes. 200 $. Ok, premier exemple franchement délirant. C'est du plastique, hein, tout en plastique. Ou encore plus fifou que vous prenez ça. À 45 €. 45 €. Allez, on va dire quoi? On va dire 6 bouts de plastique tout plat qui imitent des planches. Et des petites baguettes. 45 €. On est d'accord, ça les vaut pas, c'est pas possible. C'est. Qui est prêt à mettre ce prix-là dans ça? Ça, tu le fais toi-même en. Ça pourrait être un défi, sauf que j'ai juste pas envie d'avoir ça dans mes décors, mais. Tu fais ça avec du carton de récup en une matinée, quoi. Pour 0 €, 45 € ça. Enfin bref. Vous l'avez compris, ça a toujours été mon propos. Games Workshop fait des tarifs de fou. Même si certaines figurines au final sont extrêmement jolies, hein, c'est pas ça le souci. Elles sont beaucoup trop chères pour ce qu'elles sont, tout simplement. 15 figurines, 110 €. Avec un seul truc qui a un peu d'envergure, tout le reste, c'est du mec à pied. Les prix ont explosé, alors que normalement, le passage au plastique devait réduire le prix des figurines. C'était leur argument principal pour dire on arrête le métal, on fait du plastique. C'est plus léger, ça permet des poses plus extravagantes parce qu'il n'y a pas le poids du métal et ça va nous permettre de faire des figurines moins chères. Et dans les faits, c'est ce qui s'est passé à l'époque où ils ont sorti le plastique. Les boîtes qu'on pouvait acheter avec des figurines en plastique dedans étaient incroyablement moins chères que le métal. Et beaucoup de gens se sont rués dessus pour ça. Sauf qu'au fil du temps, le métal ayant disparu, le prix des figurines s'est mis à monter, 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 jusqu'à rattraper et dépasser le prix du métal. Et maintenant, exploser, enfin c'est une culbute, hein. Le coût de revient de ces trucs-là par rapport au prix de vente, on est dans le, on est dans le, j'avais fait un calcul une fois, je sais plus pourquoi c'était d'ailleurs, ça devait être pour le, non je sais plus, si c'était pour le robot, espèce de gros robot dont j'ai fait une vidéo, c'était 10 000 fois, 10 000 fois le prix de revient, le prix de vente. Donc on est toujours dans cette mouvance. Comment expliquer à Games Workshop qu'ils vont un peu loin et qu'à force de presser le citron ou de taper sur la poule aux œufs d'or pour qu'elle ponde, eh bien, ils la tuent. Eh bien, l'impression 3D, hein, ma foi, c'est un excellent moyen de filer gratuitement aux gens ces figurines, qui sont pas non plus formidables en termes de conception. Hein. Globalement, si on prend l'image qui est là et qu'on regarde les trois trucs au fond avec leurs petites chenilles, franchement, ça fait pas envie, hein. Artistiquement parlant, c'est mastoc, c'est mal foutu. En plus, vous remarquerez que c'est rigoureusement identique, hein. Il n'y a pas de pose différente. Et c'est un d'ailleurs, je passe du coq à l'âne, hein, mais c'est un des reproches que je fais à Games, c'est qu'ils crachent des figurines maintenant avec un style spécial que j'aime pas des masses, mais qui est super élancé, où les gens sont. À califourchon sur des blocs de pierre, des colonnes, en train de voler dans les airs avec des câbles dans tous les sens. C'est très super-héros au final comme pose de figurine, comme posture. Mais quand vous regardez les armées que les gens affichent à Age of Sigmar,
Mais globalement, toutes les armées se ressemblent. Il y a peu de figues, elles ont toutes ces poses débiles. Au final, vous voyez une armée de d'elfes sylvains à Age of Sigmar, bah, elle ressemble à une autre armée d'elfes sylvains. Vous voyez des sigmarites, bah, ils ressemblent aux sigmarites. Vous voyez des nains, ils ressemblent aux nains. Enfin, d'une armée sur l'autre, il n'y a pas énormément de différence parce qu'il y a finalement peu de figurines et peu de poses. Et que les poses sont parfois assez débiles. Bref, on est toujours dans cette mouvance-là, et je m'étais dit, tiens, et si on s'attaquerait pas à un véhicule aérien? J'avoue que c'est assez sympa les véhicules aériens, j'en ai pas beaucoup. J'ai beaucoup de véhicules terrestres, j'ai très peu d'aériens, et il se trouve que les véhicules aériens, ils coûtent très très cher. Et du coup, je me suis dit, essayons le Storm Talon. C'est un modèle que j'avais repéré à l'époque où je ramassais des modèles 3D un petit peu en vrac pour me faire ma future collection. Et alors j'étais plus très au fait de ce qui se faisait en termes d'armée, donc je ramassais vraiment à tout va. Et j'avais récupéré un modèle d'un véhicule qui avait l'air de s'appeler Storm Talon. Je trouvais plutôt sympathique. Et je me suis dit, bon ben, allons-y, essayons voir. Et en fait, en reprenant le modèle en question, et en retournant sur la page où on pouvait le télécharger, le type disait, bon alors il y a un problème avec mon modèle, c'est qu'il est absolument pas à la bonne taille. Ça va pas du tout. Et donc il donnait 2-3 conseils débiles qui bien sûr ne marchent pas. Et je me suis dit, ok, on peut pas se baser là-dessus. Il va falloir qu'on y retourne avec des clés de 12 pour que le modèle soit conforme à ce qu'on peut acheter dans le commerce. Et en faisant des recherches, je suis tombé sur un autre type qui a fait un modèle de Storm Talon qui est aux bonnes dimensions. Voilà, visuellement, vu de loin, il est très très chouette, mais il est d'une seule pièce et il est très low poly, il n'y a pas de détails, ce qui fait que si vous imprimez ça, non seulement vous allez y passer une journée, mais en plus le résultat ça sera franchement un petit peu dégueulasse. Ça fait longtemps que j'ai compris que surtout les véhicules, il faut les imprimer bout par bout. Hop, téléphone qui sonne. On ne me chante pas grand chose. Donc il faut les imprimer bout par bout et c'est le meilleur moyen d'avoir leur rendu sympathique, de conserver les détails et de ne pas monopoliser l'imprimante dans une impression de 24 à 36 heures. Je me suis donc retrouvé avec des petits bouts pas à la bonne taille et un énorme modèle qui m'a servi un peu de base. C'est-à-dire que j'ai superposé tout ça. Et j'ai passé un certain temps à triturer, retoucher, refaire, redimensionner les petits bouts du premier modèle pour qu'ils aillent aux bons endroits par rapport aux positions du second modèle. Et au final, j'ai obtenu ceci. Voilà. Voilà le résultat final du modèle prédécoupé, ajusté, transformé, tronçonné par endroits, et parfois colmaté avec le gros modèle en une pièce. Typiquement, dans le petit modèle qui était en pas à la bonne taille, il y avait un cockpit creux avec un fauteuil, des panneaux de commande, un pilote, tout ce genre de trucs que je n'aime pas dans les véhicules, parce que à imprimer c'est compliqué. 2, à peindre, c'est assez minutieux, et 3, de toute façon, tout ça est enfermé dans un cockpit, ce qui fait que ça rend pas si bien que ça, parce qu'on ne regarde pas ce qu'il y a dedans. Hein, vous allez avoir une vitre en acrylique transparente par-dessus, une armature, enfin bref. Comme je disais à un ami hier, c'est un peu comme de savoir que dans Le Seigneur des Anneaux, Gandalf avait un caleçon brodé de motifs elfiques. Ouais, ben on s'en fout, nous à l'écran on le voit pas, alors peut-être que l'acteur lui trouve ça formidable, mais nous on le voit pas. Donc je préfère très largement des cockpits fermés. En plus c'est 20 fois plus facile à imprimer qu'une armature. Et après il faudrait retailler des bouts de plexiglas transparents, enfin bref. Cockpit fermé. Or le gros modèle avait un cockpit fermé et le petit pas. Donc j'ai récupéré évidemment le cockpit fermé du gros modèle. Je l'ai trituré pour qu'il ait la bonne taille. Et je l'ai fait fusionner avec l'avant de l'appareil. Du modèle en morceaux. On se retrouve avec tout ce petit barda. Qu'est-ce qu'il y a de très compliqué en termes d'impression? Alors, en termes de temps, c'est assez long, hein, parce que
évidemment, la partie, voilà, la partie centrale ici, elle est à 5h30 d'impression à peu près. L'avant est aussi à 5h d'impression. Donc rien que les deux déjà, c'est 10 heures de prix. La partie arrière s'imprime en deux fois et se colle. Et c'est un peu compliqué dans la mesure où, quand vous collez deux parties imprimées, les choses font que ce que vous imprimez à plat, la surface qui est en contact avec le plateau sera jamais extraordinairement plate. C'est pas parfait du tout. Ce qui fait que quand vous collez les deux parties l'une contre l'autre, il y a un creux. Il y a un vrai creux que j'ai essayé de combler pour l'aplatir. J'ai pas réussi, le creux était vraiment trop important. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que sur l'arête, je vais zoomer. Voilà, sur l'arête oblique du dessus, qui normalement se joignent et font un truc plat, j'arrivais pas à obtenir ce côté plat, donc j'ai collé des petites languettes de plastique horizontales, parallèles, les unes sur les autres, histoire qu'il y ait cet effet de jonction et qu'on perde le côté, il y a une ligne transversale en plein milieu qui devrait pas être là. Et ça a marché plutôt bien, ma foi. Après, le reste, ben, c'est en dessous. Hein, donc la ligne de colle en dessous, on s'en fout. Et la ligne derrière, elle n'est pas très dérangeante, puisque c'est pas non plus incroyable que l'arrière d'un aileron de véhicule soit par exemple un petit peu divisé en deux. C'est tout à fait logique. Donc je l'ai comblé de la manière la plus classique possible, et c'est assez bien passé. Il n'y a pas d'autres difficultés majeures. Il y a éventuellement, il y a un élément qui n'est pas à l'échelle. Je l'ai oublié dans mes calculs. Vous voyez qu'en fait, les lance-missiles latéraux, ils ont une sorte de petite avancée en forme de trapèze qui est censée rentrer dans le côté de la carlingue où il y a un creux. Et le creux n'a pas été agrandi à la même échelle que ce qui rentre dedans. Donc le creux est trop petit. Au début, je me suis dit, ah putain, faut retourner faire de la 3D, il faut modifier tout ça. Et l'écart n'était pas vraiment énorme, vraiment pas énorme. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un fer à souder. J'ai chauffé la partie la plus en arrière de l'encoche, on va dire, jusqu'à ce qu'elle se ramollisse, et j'ai rentré le lance-missile de force dedans. Comme c'était ramolli, ça s'est poussé. Et comme il n'y avait plus le fer à souder, ça s'est resolidifié derrière et du coup ça fait vraiment une emprise. J'ai même pas eu à coller en fait. Le lance-missile, il est vraiment incrusté dans la carlingue. Donc finalement, c'est assez bien passé. Rien de plus à dire. Vous pouvez voir éventuellement, voilà, je le mets ici comme ça, on le voit. Ouais, on le voit. Sous l'arrière, vous voyez qu'il y a une espèce de cercle. Qui au début était un trou, et que finalement j'ai pas laissé en trou, que j'ai super, que se passe-t-il encore? Alors je serai encore très certainement dérangé par mon téléphone, mais c'est important, donc je recouperai à nouveau. J'ai bouché le trou volontairement, j'ai pas laissé le trou vide. Vous comprenez bien que c'est une espèce d'encoche dans laquelle on est censé enfoncer le support qui mène au socle, qui fait que le véhicule vole en l'air. Et je l'ai bouché parce que je me suis dit que ça sera plus intéressant de le faire fondre avec le fer à souder pour rentrer dedans. Alors au départ, mon idée, c'était une espèce de capuchon de stylo, et qu'au final le plastique fondu l'accroche et que ça soit vraiment bien rivé. Je voulais pas un tube, je voulais un truc qui s'affine au bout en fait, histoire de coincer la tige. Ça a plutôt bien marché, mais il fallait que je remplisse le trou, il fallait qu'il y ait plein de plastique à faire fondre. C'est pour ça qu'il y a ce petit rond sous la carlingue. Détail supplémentaire, vous voyez que les deux moteurs latéraux sont faits pour être collés contre la carlingue, là où il y a les ronds en fait. J'avoue que c'est pas un design qui me plaît, parce que je trouve que ça colle beaucoup les moteurs au véhicule, et ça le fait très très étroit en fait, beaucoup trop étroit pour moi. Et je me suis dit, bah c'est pas grave, tu vas juste insérer quelque chose dans la carlingue pour qu'elle s'éloigne un petit peu, et tu vas coller les moteurs dessus.
J'ai cherché pendant un long moment quoi. Alors je pensais à des bouchons par exemple, bouchons de bouteille, de petite taille, ce genre de choses-là. Et je suis tombé sur une bobine de fil. Sans fil dedans, évidé. Et je me suis dit, mais ça en fait, ça a quand même une forme assez géniale. Donc j'ai récupéré la bobine, je l'ai coupée en deux. J'ai fait fondre, toujours avec le fer à souder, en plein milieu des trous dans la carlingue. Et j'ai inséré et collé les bobines dedans. Et dans la partie extérieure de la bobine, j'ai rajouté une vis que j'ai collée à la superglue en me disant comme ça, tu pourras visser les moteurs dessus. Tu mettras de la colle, après tu visseras le moteur, tu choisiras bien ta position tranquillement et la colle séchera gentiment sans que tu aies à tenir le truc pendant super longtemps. Voilà, ça c'est le projet. Maintenant, si on passe du projet à la réalisation... Voilà une photo de la construction en cours, c'est-à-dire que pendant que mon imprimante est en train de cracher les parties petit à petit, j'assemble ce qu'on peut assembler. Vous avez devant vous l'avant, l'arrière et les deux ailerons et les bobines de fil évidées qui sortent par le côté de l'appareil. Vous pouvez voir que j'ai évidemment opté pour des modifications faites à la main et pas imprimées. Je persiste et je signe. Hein. Sur une impression 3D, rajouter des petits trucs en plastique usiné que vous récupérez à gauche à droite, c'est tellement bien fini, c'est tellement lisse que ça va renforcer le côté normal, on va dire, de votre impression. Vous pouvez voir que j'ai des fils de Scooby-Doo en plastique qui sont actuellement en train de sécher, qui sont collés contre la carlingue, qui vont faire des câbles en fait. Je trouve ça vraiment très pratique, c'est très souple. Ça peut se ramollir avec un sèche-cheveux pour que vous leur donniez une forme particulière. Ça coûte rien du tout. Franchement, j'adore. Vous pouvez voir sur la queue de l'appareil, il y a un chiffre romain qui est collé, qui est du carton. Carton un petit peu solide, pas trop mou, mais c'est du simple carton sur lequel j'ai dessiné la forme des chiffres romains. Vous pouvez voir, alors vous pouvez à peine le voir, à l'avant, il y a une espèce de rond qui est collé sur l'avant de l'appareil. Et sur la droite de la photo, vous avez une boîte entière remplie de ces fameuses demi-perles que je suis trop content d'avoir achetées, qui sont en plusieurs tailles différentes et que j'utilise pour faire tout ce qui est phare, tout ce qui est caméra, ce genre de choses-là. C'est super rond, c'est super lisse, c'est super fini, ça marche bien. Et au niveau du cockpit, vous pouvez voir que j'ai récupéré, il y a longtemps, je l'ai croisé, je l'ai vu, je me suis dit ça c'est magique, il faut que je le garde. J'ai récupéré c'est un filtre d'aspirateur. En forme de grille en fait, entièrement en plastique, que j'ai mis de côté et j'en ai patiemment découpé des bouts avec un ciseau et de façon à ce que ça fasse exactement la forme des emplacements de fenêtres. Il fallait absolument que je cache le côté imprimé sur ce qui est normalement les vitres, parce que rendre en effet vitre c'est pas évident. Du coup, je me suis dit, un espèce d'effet blindé comme ça, ça pourrait bien marcher. Et comme s'il y a des vrais creux, ça va vachement bien accrocher la peinture, brossage à sec, tout ça. Ça me parlait plutôt bien. Vous pouvez voir à l'arrière de la photo des nains que j'ai pas envie de peindre. Vous pouvez voir une des turbines qui est en train de coller gentiment, qui a presque tous ses morceaux. Et vous pouvez voir sur la droite, c'est la fameuse réponse que j'attendais. De retour après le coup de fil... pour terminer avec cette photo, vous pouvez voir que sur l'arrière, le fameux aileron, il y a ce côté ligne de collage au milieu qui est vraiment beaucoup, beaucoup trop prononcé. Ce qui nous conduit à la photo numéro 2, le lendemain. Alors, qu'y a-t-il en plus ? Ben, si vous regardez l'aileron arrière, par exemple, vous voyez les petits bouts de plastique parallèles, horizontaux, avec des espaces entre, histoire de pouvoir faire des effets de peinture, et de masquer le côté, l'aileron est fait de deux parties qui sont collées l'une à l'autre. Et vous pouvez voir le travail que je fais sur le socle. Il fallait que ça tienne en hauteur, il fallait une tige à rentrer dans l'appareil. Alors c'est quoi ça? C'est une couveuse à poisson rouge. C'est une structure en plastoc avec un filet autour qu'on met dans les aquariums pour que les poissons qui vont mettre bas, qui vont accoucher, accouchent à l'abri des autres poissons pour pas qu'elles se fassent bouffer leurs œufs, en gros.
Car oui, j'avais un aquarium, mais oui, je n'ai plus d'aquarium, et il me restait ça dans un coin. Je trouvais la structure intéressante, en plastique, je me disais, on doit forcément pouvoir en faire un truc. J'ai pété la structure, j'ai récupéré deux coins que j'ai collés à l'opposé l'un de l'autre pour obtenir une espèce de trépied au final. Et la tige, c'est ben, un des angles de la couveuse qui est suffisamment flexible, suffisamment solide, et qui du coup rentre sous l'appareil. Dans le fameux trou que j'ai percé. Vous pouvez voir aussi une première tentative d'antenne où j'avais collé une tête d'épingle, mais qui malheureusement tient pas parce que le point de colle est trop petit, il n'y a pas assez de surface pour que ça tienne. Donc je le remplacerai après par un sommet d'attache parisienne qui ira, ma foi, très très bien. On se retrouve le surlendemain ici. Vous pouvez voir que j'ai découpé un socle dans un boîtier de CD à la con. Gravier dessus, plante en green stuff. À chaque fois que je fais du green stuff et qu'il m'en reste, plutôt de le balancer, je façonne des feuilles, des lianes, des conneries un peu végétales et je les fous dans un coin et je me dis comme ça, je pourrais toujours les utiliser un petit peu plus tard. J'ai aussi mis un ventilateur d'ordinateur que j'ai cassé avec un marteau. Qui est positionné derrière comme si c'était une espèce d'immense turbine tombée au sol et à moitié enfouie. La pièce est quasiment terminée, hein. Tout ce qui devait être imprimé l'a été. Vous pouvez voir que les moteurs sont en place, les câbles noirs qui sortent de la carlingue ont été raccourcis et terminés par une petite bande de green stuff pour faire comme si les câbles étaient enserrés et maintenus ensemble par une lanière. Vous avez les deux Gatling à l'avant qui ont été collés. On voit un peu mieux tout ce qui est éclairage, tout ce qui est phare avec les petites billes de devant. Là, c'est l'étape prêt pour le basage, la peinture, etc., etc. Vous pouvez voir sur le côté de la carlingue que j'ai imprimé des petites ailes, les fameuses ailes Warhammer 40 000, hein. Ça rompt un petit peu la monotonie de la carlingue et ça peut éventuellement servir à atténuer un layering trop évident parce que ça casse simplement une paroi trop lisse et trop grande. Et vous pouvez voir sur l'avant de l'appareil, on voit les lignes d'impression. Elles sont très nettes, hein, ça fait vraiment layeré. Au début, ça m'embêtait, alors pas sur cette pièce-là, parce que je l'ai vu il y a un petit moment qu'on les voyait beaucoup. Ça tient à la qualité du plastique que j'utilise. Je serais infichu de vous dire si c'est de meilleure ou de moins bonne qualité, mais le plastique que j'utilisais avant accrochait moins la lumière. Et visuellement, on avait un effet beaucoup plus plat. Et le plastique que j'utilise maintenant accroche beaucoup plus la lumière et on voit le layering. Pour autant, dès que la pièce est basée, ça n'accroche plus la lumière autant et le layering disparaît. C'est assez magique. Du coup, j'ai arrêté de focaliser sur ces lignes visuelles parce qu'elles ne sont que visuelles. Elles n'ont pas de réalité, de profondeur. Et c'est juste un jeu d'ombre en fait. Vous allez voir que lorsque la pièce sort de la base, et là c'est basé en noir et après c'est une couche de bleu à la peinture. Si vous regardez l'avant, vous voyez que le layering a déjà commencé à disparaître énormément. Et tout ce qu'on voit, parce qu'on en voit encore un peu, c'est juste parce que la peinture est brillante et qu'elle accroche la lumière. Et donc accrochant la lumière, elle crée des ombres. Mais dès que je vais passer l'aérographe dessus, le layering disparaît complètement. Vous pouvez voir déjà que la forme générique est quand même là, hein. On a tout qui s'est mis un petit peu en place, vous voyez que la queue de l'appareil, on a vraiment perdu ce côté coupé en deux en fait. Et vous allez voir que, une fois sorti de l'aérographe, le layering dont on parlait a plus. A plus sur les lance-missiles, a plus sur l'avant de l'appareil, a plus nulle part. L'aérographe est vraiment le must-have de peinture des véhicules. Vous ne pouvez pas arriver à un résultat satisfaisant au pinceau, à moins d'être un dieu du pinceau et d'avoir des heures devant vous. L'aérographe est juste magique pour créer comme ça des dégradés sur des grandes surfaces sans qu'il y ait des coups de pinceau. Et vous voyez qu'en plus, avec l'impression 3D, le fait que vous pulvérisiez de la peinture en nuages, ça tue complètement tous les défauts
qui peuvent y avoir, parce qu'il y a forcément des défauts, hein. C'est une impression 3D, hein. C'est pas du moulage Games Workshop. Mais ça les fait complètement disparaître dans le dégradé, et l'œil humain se fait avoir. Donc voilà, ça c'est 2 heures d'aérographe, avec 3 éclaircissements. C'est-à-dire que le premier coup d'aérographe est en bleu, pour faire disparaître la brillance. Le deuxième coup d'aérographe, c'est du bleu clair. Et le troisième coup d'aérographe, c'est du blanc. C'est du bleu hyper clair qui tire vraiment à pas grand-chose sur le blanc et qui est là juste pour choper les arêtes. Et vous pouvez voir que j'ai pas fait d'aérographe sur les deux Gatling à l'avant de l'appareil. Elles ont conservé leur brillance. Le rendu est déjà moins sympa. Vraiment, l'aérographe... Si vous hésitiez, si vous doutiez, jetez-vous dessus, surtout si vous faites des véhicules. Si vous peignez une armée naine, je vous l'accorde, ça va pas vous servir beaucoup. Mais pour des gros véhicules, c'est quand même globalement magique. S'ensuit donc une après-midi passée à peindre pour obtenir ce résultat-là. J'ai passé l'après-midi, donc à peu près 4 heures de boulot, hein, sur repasser en noir les parties que je voulais faire ressortir, métalliser les parties métalliques, et j'ai commencé à faire tout ce qui est lumière, tout ce qui est phare. Mais en fait, j'ai juste passé une première couche d'orange, et puis j'étais vraiment crevé de la journée. Et voilà, j'ai stoppé là, et je n'ai repris que le lendemain matin. Mais vous voyez déjà qu'au niveau du cockpit, tout le travail fait à l'aérographe commence à prendre du sens, parce qu'il y a un contraste avec ce qu'on fait après au pinceau. Tous les petits détails au pinceau vont encore plus ressortir, et vont rendre tout ce qui est fait de manière smooth à l'aérographe plus discrète et plus naturelle. Le lendemain matin, je récupère le résultat et je finis dans la journée. Finir, ça veut dire quoi? Ça veut dire terminer tout ce qui est éclaircissement ou jaune clair sur tous les phares, les projecteurs et ce genre de trucs-là. Terminer le socle, je voulais un socle discret. Je voulais un socle bordélique, chargé, mais discret. Je voulais pas qu'il y ait des éléments qui accrochent l'œil plus que le véhicule. Le socle est juste là pour que le véhicule soit posé dessus. Et vous voyez que sous les Gatling, j'ai rajouté une ceinture de balles. Ça, c'est pas ma trouvaille de l'année, mais un jour, je suis allé dans un magasin de merde. Et il y avait des figurines Action Man à 2€, toutes pourries, mais avec des flingues partout. Et à côté des flingues, il y avait, comme ça, les ceintures de balles. Et je me suis dit, ça, sous un véhicule, c'est juste la fête à la maison. Donc j'en ai acheté plusieurs, j'en ai acheté 4 ou 5. J'ai balancé les figurines parce qu'elles servent à rien. J'ai gardé tout ce qui est armement et petits objets en plastique pour ce genre de customisation-là. Le truc est fini. Je crois pas que j'ai rajouté quoi que ce soit après coup. Me semble pas. Je me demandais si j'allais pas rajouter des morceaux de coton qui sortent par derrière les propulseurs. Alors, c'est pas que c'est nul, ça aurait été sympa, mais l'histoire avec ces véhicules aériens, en fait, c'est que comme ils sont très hauts sur leur socle, pour les transporter, on les enlève du socle, et on les transporte en 2 pièces, et on les remonte sur la table. Et s'il y avait du coton qui sortait des réacteurs, le souci, ça aurait été qu'il y avait à peu près 9 chances sur 10 pour que pendant le transport, le coton s'abîme, s'arrachent ou prennent une position débile, et finalement que ça me desserve dans le courant de l'utilisation plus que ça ne me serve. Vous pouvez aussi voir, petit détail, mais à l'avant sur le socle, il y a un cadavre, en fait. Il y a un cadavre qui se fond dans le sol et dans la poussière. J'ai imprimé en quelques minutes un corps d'infanterie impériale, hein, que j'ai un petit peu retouché. Et je l'ai collé là, voilà. Histoire de meubler un petit peu, et puis j'aime bien mettre des choses de taille humaine sur les socles de véhicules. Ça les ramène à l'échelle, et ça les remet un petit peu dans la sauce d'un champ de bataille. Voilà le résultat final, sur fond un peu plus noir, avec un jeu d'ombre, voilà, plus joli, plus sympathique. Je suis pas déçu, et je vais vous dire ce qui me déçoit le moins dans l'histoire, c'est que... j'ai calculé le coût de revient de l'appareil. Il y a devant vous 100 g de plastique pour tout imprimer,
102 grammes de plastique pour être précis. Et j'ai imprimé ça avec une bobine que j'ai achetée pendant les soldes et qui m'a coûté 12 euros. Ça veut dire que la figurine que vous avez devant vous m'a coûté 1,30 euros. Voilà, 45 euros. 45 euros le Storm Talon. Ouais, je vais rester avec je vais rester avec le mien. Je vais rester avec le mien à 1,30 euros. Hein, on va dire que je peux en avoir 10. Enfin, 10, je dis n'importe quoi. Je peux en avoir 30. Voilà, je peux en avoir 35 à peu près pour le même prix. Voilà les cadavres, je suis content du résultat, ça m'a pas pris si longtemps que ça au final, hein, parce que hormis les 15 heures d'impression, le tout a quand même été assemblé, peint, verni en 3 jours. Donc c'est quand même très rentable comme opération. Et ça ajoute un petit truc à l'armée au final. C'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, bien évidemment le modèle 3D est téléchargeable sur le site où je mets tous mes téléchargements et sur Thingiverse le temps que Games Workshop le fasse censurer, donc on va dire c'est l'affaire de 3 jours à peu près. Si ça vous intéresse, saisissez-le. De toute façon il sera toujours sur mon site à moi parce que j'ai pas l'impression que Games soit hyper ultra proactif en dehors des gros sites où on peut télécharger les STL, avec un petit truc qui moi me fait beaucoup rire. C'est que même les modèles qui sont censurés, parce que vraiment très très proches, typiquement celui-là est très proche de leur produit, donc il sera censuré, c'est évident. Par contre, si j'avais mis ce modèle payant sur des plateformes qui font des fichiers STL payants, eh bien, il ne serait pas censuré. Les modèles payants ne sont pas censurés, il n'y a que les modèles gratuits qui se font censurer. Il doit y avoir une logique qui m'échappe derrière tout ça, mais bon, passons. Allez les cadavres, bon jeu à vous, que vous jouiez, rendez-vous peut-être in-game, ciao.